Good morning, allez, dans le sutra aujourd'hui le lunchmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani et Lor Léa Bat Bela. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah contactée de sa communauté éternelle, nous allons vous faire un guillap et un guimel, Mishnah Zayin Apotach et Ravito. Vamatrin Beisato al Gavaregen Rabbi Yehuda Omer, Igmor, Vachachami Omerim, Lo Igmor. Mishavar Regel Ayum Averim al Taharat Azara, Avar Regel Bayom Shishi. Lo ayu ma'avirim mipnei kvod ha-shabbat. Rabbi Yehuda Omer, af lo beyom chamishi, shen ha-kohanim pnuin. Et on découvre maintenant dans la Mishnah, je traduis d'abord, c'est une notion qu'on a évoquée dans la Mishnah précédente, apotach et ravito baregel, celui qui va ouvrir un tonneau ou un fût pendant la fête, va matril beisato alga varegel, celui qui va commencer à pétrir une pâte, alga varegel, on va dire exactement le gav arigel, c'est-à-dire dans le sens, en l'honneur de la fête. Ouais, le gav arigel. Pour la fête, à cause de la fête, eh bien, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda me dit, Igmor, il pourra même finir ce fût, ce tonneau, cette pâte, il pourra toute la continuer et la finir. Igmor, Chamim nous dit qu'il ne pourra pas la continuer. De quoi on parle exactement? C'est simple. On a vu dans la mission précédente. Chachamim ont décrété toutes sortes d'impuretés chez le Hamaharetz. Le genre simple, étant donné qu'ils ne respectent pas comme il faut toute la route et on n'y fasse pas de grand intérêt, alors on va craindre toutes sortes de niveaux d'impuretés chez lui. On avait vu que son vêtement, il est midras, ils ne font pas, malheureusement, même les lois de Nida, ils ne respectent pas comme il faut, comme il se doit. Vous imaginez que si toutefois il a eu un rapport avec sa femme qui n'était pas encore pure comme il fallait, il véhicule une forte impureté, il peut être zav, d'accord? Ils ne sont pas méticuleux sur la chôte, de ce fait, Ramim, on dit qu'ils vont tout rendre impur, facilement. Malgré tout, pendant les fêtes, on lève ces interdits. C'était déduit d'un pasouk de Shoftim, Vayasef Kol Ish Israël, El Haïr, Keish Echad Chaverim, ils sont tous, tout le monde est Chaverim, tout le monde est des bons juifs pendant les fêtes, on n'y a pas en véhicule plus d'impureté. Mais dès que la fête passe, on recommence à véhiculer l'impureté. Et là, on se retrouve avec quelque chose de très original, c'est que, d'après Chachamim, en l'occurrence, on voit que maintenant, pendant les fêtes, on était à Yerushalayim. Il y avait besoin de boire du vin, j'ai ouvert un tonneau. Moi, je suis un bon juif, bien sûr. J'ai ouvert mon tonneau, je n'ai pas vérifié, il y a même des gens à Maharetz qui sont venus pour toucher mon tonneau aussi. Et pendant la fête, il n'y avait aucun problème. S'achève la fête, qu'est-ce que je fais avec ce tonneau? Alors, là, ça devient délicat. Parce que, étant donné qu'il y a eu un masque qui a touché, comme on va voir plus tard après, dans le Mishnah même, ce que la masque a touché, ça va devenir même rétroactivement impur, peut-être même. Alors là, la Mishnah me dit malgré tout, Rabbi Yehuda, il me dit, Rabbi Yehuda Omer, Igmor, tu pourras la finir dans l'impureté sans te poser de questions. Ce qui a été ouvert pendant la fête, en l'honneur de la fête, alors, on ne décrète pas du tout d'impureté véhiculée par le Hamaharetz dessus, on s'appuie sur la loi stricte. Il faut bien comprendre, selon la loi stricte, le Hamaharetz, même si on craint plein de choses, de manière générale, vous savez, quand on craint plein de choses, on a des règles comment se conduire selon la loi stricte. On se fonde sur la Khazaka, on se fonde sur le Rov, on se fonde sur plein de choses. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas été franchement et nettement impur, eh bien, il est considéré comme pur. Dans la mesure où il était pur, ouais, moi je suis quelqu'un de pur pour le moment, je me suis envoyé une V. Après, j'ai pas fait attention, est-ce que oui, est-ce que non, j'ai touché, est-ce que je suis devenu. Eh bien, dans ce cas-là, ma Khazaka, elle va me dire, bon, ben, écoute, ma présomption, ça sera du fait. On va présumer que, jusqu'à preuve du contraire, je suis resté dans ma pureté. Selon la loi stricte, le Hamaharetz, il est pur. Ramim ont décrété que, malgré tout, comme il y a des fortes raisons qu'il n'a pas pu maintenir sa pureté comme il fallait, on va lui décréter une pureté. Pendant les fêtes, on n'a pas décrété cette impureté, d'accord? Maintenant, ce qu'on a ouvert avant la fête, ça reste pur. Idem aussi pour celui qui a fait du pain pendant la fête, il a fait des tas de pain, il en reste ensuite maintenant plein, il n'a pas fini de le vendre. Pour quelle raison on fait ces permissions? De peur que, sinon on va arriver au 7e jour de Pessah, vers la fin de Sukkot, et on va manquer de vin, et on va dire à quelqu'un, tu veux pas ouvrir ton chavit, ton tonneau, il va commencer à ne pas vouloir l'ouvrir. Pourquoi? S'il l'ouvre, ça risque de devenir impur, on préfère le maintenir comme il faut dans la pureté. Pour ne pas arriver dans ces situations délicates, Ramim, selon Rabbi Yehuda, Ramim ont décrété que si tu l'as ouvert dans la pureté pour la nécessité de la fête, eh bien tu pourras continuer à la boire même après la fête en
en toute pureté. C'est ok? Les Chachamim, malgré tout, n'ont pas toléré de faire ça. D'accord? Parce que selon Chachamim, l'impureté, elle va se réveiller rétroactivement. En fait, le principe qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah, que une fois que la fête, elle passe, ce que la Maris, elle a touché, c'est pas que dès lors, ça va être impur. Même rétroactivement, ça va devenir impur. Et regardez qu'est-ce qui se passe à cause de ça. Parce que Misha Avar a régal, depuis le moment où la fête s'achève, Ayuma Avirin al Taharat Azara, il faisait passer tout sur la pureté de la Azara, de l'enceinte du Beth Amikdash. C'est une phrase un peu floue. En fait, Mavirin et Takelim Mimkomam ont transporté tous les ustensiles pour aller les tremper au Mikvé. Soit, pendant la fête, il y avait, d'abord, il faut savoir, c'est avec les Kohanim, on l'avait déjà appris ça dans Moed Katan, Tanit, je ne sais plus, il y avait les 24 familles de Kohanim. Que chaque semaine, à tour de rôle, il y avait des familles de Kohanim qui se relaient pour faire le Mikvé. Pendant la fête, tout le monde montait. Tout le monde monte au Beth Amikdash, tu l'as connu, ils servaient tous au Beth Amikdash pour les sacrifices de la fête. Et maintenant, la difficulté, elle est que tout le monde vient, on ne fait plus attention qui est méticuleux, qui n'est pas méticuleux. C'est sûr qu'il y a eu des Kohanim aussi qui n'étaient pas purs, qui n'étaient pas des grands tzadikim qui sont venus faire la voie au Beth Amikdash. Pendant la fête, ils n'ont pas rendu impur. Mais passé la fête, alors maintenant, ça va se réveiller le problème, surtout les ustensiles qu'ils ont touchés. Que rétroactivement, on va dire qu'on les considère comme impurs, et il va falloir les purifier. Et en fait, il s'avère que le lendemain de la fête, eh bien, au Beth Amikdash, c'était le jour de la grande purification de tout. On prenait tous les ustensiles, on allait les tremper au Mikvé. Il y avait une hama qui passait, il y avait un petit ruisseau qui passait à l'intérieur du Beth Amikdash, parce qu'ils allaient tous tremper là-bas, ça suffisait. Et donc, pour tout purifier, d'accord? Ce que le Mishnah me dit, mais j'ai avoir un régal depuis que le moment où la fête est passée, Ayuma Virin Altara Tazara, il transporter, entre parenthèses, tous les ustensiles, Altara Tazara, pour purifier l'enceinte du Beth Amikdash. Ensuite, la Mishnah me porte quelques précisions, mais attention, ça c'est bien quand ça se finit en plein milieu de semaine. Par contre, Avar Regel Bayom Shishi, si le lendemain de la fête, en fait, c'est un vendredi, l'Oayom Avirin, il ne s'occupait pas de faire ça le vendredi, mais puis le Shabbat, à cause du God Shabbat, il faut aussi se préparer à Shabbat. La fête, elle s'est terminée jeudi soir. Si tu passes ta journée du vendredi à purifier tous les ustensiles, il y a une tonne d'ustensiles, il y a énormément de travail au Beth Amikdash. Du coup, les maris, ils vont pas être présents à la maison pour aider les préparatifs du Shabbat. Ils vont avoir un Shabbat de moins bonne qualité. On repousse tout jusqu'au dimanche qui suit, le lendemain de Shabbat. Ok? Rabbi Yehuda Omer, Aflo Beyom Chamishi, Rabbi Shana Kohanim Pnouim. Selon Rabbi Yehuda, même si la fête va se terminer un mercredi, déjà, on ne passait pas le jeudi. Puis le vendredi pour faire cette purification. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, pendant les fêtes, il y avait plein de corbanotes qui étaient apportés au Beth Amikdash. Il s'avère que maintenant, il y avait au Beth Amikdash, une fois que tout le monde finissait, quand vous brûlez quelque chose, vous brûlez des animaux, ça fait descendre, et encore descendre, et encore descendre. Tout ça, c'était stocké au Beth Amikdash, au Beth Adeshen. Il y avait sur le Mizbeach, il y avait au centre un tapouar, ça s'appelait. Et il y avait au centre du Mizbeach, c'était quelque chose de grand, 32 amas sur 32 amas, 16 mètres sur 16 mètres, il y avait au centre un lieu où est-ce qu'on stockait toutes les cendres de la semaine, ou des derniers jours, parce que s'il y en avait trop, pas en pleine semaine, on faisait une première vidange. Mais il y avait donc, quand il y avait concrètement, il y avait encore beaucoup, beaucoup de cendres. On laissait ça pour le lendemain de la fête. Donc si la fête s'avait terminée le mercredi, ne me dis pas le jeudi, puis après le vendredi, tu as deux jours de préparatif. Parce que d'abord, pour pouvoir vider toutes ces cendres, les Kohanim, ils ont déjà un très sérieux travail à faire au Beth Amikdash. Ils ont un sacré travail, dans les deux sens du terme, à faire au Beth Amikdash, à vider tout ça. Et du coup, donc, on ne va pas imposer de nettoyer la Hazara depuis tout de suite. On va leur permettre de différer ça jusqu'au lendemain du Shabbat suivant. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je suis plein de Hatzlacha. Kol Tov Selah.